Yo les gastriques, j'espère que vous allez tous super bien. Et aujourd'hui les gars, il y a Marmotte qui a enfin battu les gars le record du coup de l'ancien record manette. Donc c'était 7 tout pile du coup de Jaguar. Et les gars, donc il a fait 7, presque 7-0-10. Sauf que le problème c'est qu'il a pas fait la game, donc voilà, comme les claviers souris. Et les gars, du coup on va réagir à ça un petit peu, voilà, donc n'hésitez pas à me dire si pour vous c'est validé. Et je ne l'ai pas encore vu, voilà, il y a un abonné qui me l'a montré du coup en privé. Et puis voilà les gars, on va perdre pas plus de temps. Je vais vous enlever la musique et on va directement, bah regardez ça. Je vous enlève la musique les gars et c'est parti du coup le record de Marmotte. Donc 16 000 abonnés E4 Marmotte, voilà, donc un ancien E4. Car il me semble que ça n'existe plus le E4 si je vous dis pas de conneries. Ok, je mets en plein écran les gars, on va voir un petit peu ça, voir si c'est validé. Je tiens à préciser que je n'ai pas flame, ok, car personne n'a respecté. Ok, donc en gros, oui, donc voilà, il montre que comme quoi les éditeurs ils avaient pas fait la game. Ok, du coup c'est parti pour le run de Marmotte. Alors la qualité est pas ouf parce que je crois que c'est de la reprise de live, mais bon, il y a que ça malheureusement, je suis désolé. Ok, donc les gars, Marmotte, un très gros joueur, quasiment un des meilleurs joueurs manettes que je connaisse, avec Jaguar et Rin, des très gros éditeurs. Et ce qui est bien avec lui, c'est qu'on entend, on a déjà l'overlay qui est ici, et en plus on entend un petit peu les bruits de sa manette. Ok, donc là il passe bien, là il fait vraiment son start, il est incroyable hein, lui. Ok, le petit chapeau ici, bam, les 90. Donc là ce qui est drôle avec lui, c'est qu'il fait un mouvement, et en gros il met les... C'est bizarre parce que regardez, il met les... Oh, c'est chelou ça. Ok, je sais pas pourquoi. Quoi? Quoi? Il fait des 90 avec des... Quoi? C'est quoi ça? Il fait des 90 avec des pyramides. Pardon. Pardon, quoi? C'est quoi cette technique, wesh? Les gars, il fait des 90 avec des pyramides. Je vous jure la vie. Mais wesh. Marmotte, alors là, va falloir m'expliquer parce que j'ai pas compris là pourquoi il fait ça. Mais wesh, mais c'est incroyable par contre, c'est trop stylé. Alors je sais pas si ça fait gagner du temps, mais c'est trop stylé. Ok, les descentes, on va voir si c'est du 3, du 4 ou du 6, hein, Inch'Allah. Non, c'est du 3, c'est 4, c'est du 4. C'est du 3-4, hein. C'est pas plus que ça. Ok, ok, c'est ça, elles sont vraiment pas mal. Donc, putain, ces descentes, elles sont vraiment belles, hein, à lui par contre. Ok, il pète bien le cube ici. Ok, nickel. Par contre, son du jeu, il est bizarre un peu. Par contre, la musique, frérot, elle est pas ouf en vrai. Hein. Bon, c'est pas grave. C'est pas remplacé au montage. Hein. C'est vraiment là j'ai pas mis de musique d'origine. Ok, nickel. Voilà le petit abonnement. Oubliez pas d'ailleurs, j'ai pas dit. Hein. Oubliez pas de vous abonner, les gars. Abonnez-vous, likez. Ok, nickel. La petite descente. Parfait. Je suis désolé, les gars. La qualité, elle pique un peu, je trouve. Bon, malheureusement, je peux faire seulement ça. Ok, nickel. Là, il passe bien. Donc là, il fait un petit saut. Il réédite le truc aussi. Ok. Là, il se double boost. Et ce qui est bien, c'est on voit l'overlay un petit peu comment il fait. Je trouve ça vraiment stylé. Ok, nickel. Là, il se booste bien. Est-ce qu'il arrive à se boost pendant les examens ou pas? Non, il arrive. Ah, si, il se booste. En gros, ce qui est compliqué avec la manette, c'est genre. Ils font les examens et ensuite ils se boostent. Alors que nous, c'est l'inverse. On édite et ensuite on se booste. Ok, parfait. Là, il fait la technique. Donc, comme Snaz et Dragon. Que Ewars ne faisait pas d'ailleurs. Donc, il arrive à le faire. Ewars, il n'y arrivait pas par contre à cette technique-là. Ok, nickel. En vrai, les gars, il a fait 7-10. Et le record clavier souris, c'est 7-20. Hein. Vous vous rendez compte? Ah, mince, il a fail. Il aurait pu faire live 7-11. Enfin, 7-10 du coup. Et parce qu'il a fait 7-09. Ok, parfait. Il se double boost, parfait. D'ailleurs, les gars, excusez-moi s'il n'y a pas eu de vidéo pendant 2 jours. J'étais à fond sur les cours. Voilà, je le dis quand même. Ok, là. Non, lui, il se booste pas. Hein. C'est trop dur, je pense, de se boost. Ok, il passe bien, nickel. Il va faire du coup sur un petit 7-0-9. Franchement, personnellement, à part l'IM, que je valide pas trop. Enfin, je suis pas trop à fond pour l'IM. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi pour vous si vous validez ou pas l'IM. Mais moi je trouve que en vrai, bon, maintenant tout le monde le fait sans donc. Wesh, mais les gars, attendez, il peut faire 7-11 en fait lui. Là, il a fait 2 fails, il peut faire 7-11 en fait, Marmotte. Hein. Juste, il s'est fail un peu, mais il peut faire 7-11 en fait. Ok, là il passe bien. Son run il est beau. Hein. Il a fait un truc, j'ai pas trop capté. Il lui reste 2 HP, regardez ça. Et il termine sur un. Oh là là, j'avoue que c'était vraiment close. Hein. Dommage, 7-0-9 les gars. Gros GG à Marmotte et franchement impressionnant. Et bah frérot, GG à toi. Gros GG. Je vais remettre un petit peu la musique de fond et puis voilà. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, les gars. N'oubliez pas le petit like et le petit abonnement. C'est important, petit abonnement. Voilà, go les 40k. Il nous manque 1500 abonnés. Je vous laisse, les gars, c'est Traki. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Sur ce, les gars, c'était Traki et bye tout le monde.